Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui jeudi 18 novembre 2021. Je voulais commencer déjà cette petite vidéo par vous remercier déjà pour votre fidélité, hein, puis remercier les nouveaux abonnés, hein, de s'être joints à nous. Je voulais aussi préciser, parce qu'apparemment on me fait quand même souvent la remarque comme quoi il y avait des problèmes de son. Effectivement, comme j'utilise le micro qui est sur mon téléphone, donc dès que je bouge un peu, que je m'en éloigne, ça pose des problèmes. Donc, écoutez, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite cagnotte Tipeee en route. Donc, pour ceux qui veulent y participer, comme ça me permettra l'achat d'un micro, hein, qui permettra de voir si je pose un micro-cravate ou un autre type de micro, enfin, en tout cas, quelque chose qui permette d'avoir un son plus agréable et plus uniforme. Voilà, donc ceux qui veulent participer, bien sûr, le lien se trouve, je le mettrai en commentaire épinglé, sinon il se trouve, je crois, dans mon à propos. Donc voilà, donc c'est sans obligation, hein, je précise, hein, parce que tout de suite, dès qu'on parle de cagnotte, il y en a qui nous tombent dessus. Donc voilà, donc ceux qui veulent participer peuvent le faire, hein, ceux qui veulent pas, eh ben, personne ne vous y oblige. Voilà, donc tout ça étant dit, là je voulais faire un petit tirage, comme j'en ai pas fait depuis un petit moment, enfin moi depuis fin octobre, hein, c'était donc pour des actualités un peu un petit peu mondiales, un peu ouais, j'ai quand même demandé quand même mondial pour voir un petit peu ce qui pouvait un petit peu se passer, s'il y avait des choses, des événements. Alors j'ai demandé quand même, hein, les événements majeurs, parce que mais bon. Après, c'est pas évident, parce que sur tout le monde, il faut arriver à suivre. Bref, donc les cartes ont été très difficiles à faire parler. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'en ai quand même dû en tirer quand même pas mal pour essayer d'avoir un peu des infos, parce qu'elles étaient quand même assez muettes. Donc voilà, écoutez, on va commencer tout de suite. Alors ici, dans la première colonne, on me parle donc de sport. Et en plus, on me parle de ballon. Ici, avec le 3 de... J'ai le 3 de denier. J'ai habitation, j'ai le 7 de bâton, j'ai le temps, j'ai l'encre et j'ai la colombe. Donc ici, je pense que cette colonne me parle de sport d'équipe, hein, avec le 3 de... me paraît même d'une équipe. Donc je pense qu'il est question d'une équipe, d'un sport collectif. Alors peut-être d'un sport collectif type, peut-être comme la carte le montre, hein, peut-être type foot, je ne sais pas. Qui apparemment serait un peu sur la défensive. Alors je ne sais pas s'il y a une équipe qui est en ce moment qui est un petit peu attaquée ou quoi, parce que de toute façon j'y connais rien du tout à ce niveau-là. Mais alors absolument rien. Donc alors je ne sais pas, moi ça me parle d'une équipe de sport, hein, peut-être qui serait un peu sur la défensive. Mais apparemment avec le temps, on me dit que les choses vont tendance à s'arranger, voilà, puisqu'on finit avec la carte de la paix. Donc, a priori, je sais pas s'il y a une équipe en ce moment qui est un petit peu dans la tourmente par rapport à quelque chose, j'en sais rien. Donc, si certains sont au courant de ce genre de choses, éventuellement, le dire dans les commentaires. Mais moi, personnellement, je ne sais pas du tout de quoi ça me parle. Alors, ici, on me parle d'alimentation. On me parle, j'ai la carte du monde, on va dire. J'ai la carte du 2 de coupe, j'ai la carte santé, 9 de coupe, contrat, poisson, escargot. Alors, cette colonne, pour moi, me fait penser non pas à l'alimentation comme on peut le voir sur cette carte, mais là, j'ai tout de suite ressenti qu'on me parlait des vaccins. Voilà. Et d'ailleurs, il y a énormément cette notion d'eau, hein, quand on regarde sur les différentes cartes. Ici, on retrouve cette notion d'eau. En plus, on voit des aiguilles. Ici, on a encore cette notion d'eau. On a la notion de flacon avec avec les verres, là. Ici, encore une fois, on me parle de... voyez, pour moi, de toute façon, les coupes, quand il est question de ça, les coupes, pour moi, sont les fioles. On va essayer, je vais essayer de faire attention aux mots que j'emploie. Et là, on me parle de contrat. Les poissons, le poisson représentant le financier. Donc pour moi, il est question de contrat financier.
Et là, on me parle de lenteur. Donc moi, cette carte, quelque part, enfin, cet ensemble de cartes, moi, j'ai l'impression qu'on me parle qu'il y a des choses qui vont de plus en plus sortir, mais lentement, concernant les contrats concernant les fioles. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Donc, on va apprendre progressivement, hein, avec l'escargot. N'oubliez pas, il y a là vraiment la lenteur. Donc, progressivement, tout doucement, il y a des choses qui vont sortir concernant les contrats, hein, notamment financiers, puisqu'on parle de contrat, on a les finances. Hein, donc là, voilà. Donc, concernant ces choses-là, donc on devrait encore apprendre des nouvelles choses, etc., avec le temps. Voilà. Ici, on me parle avec la carte Histoire passée livre. J'ai la carte du 5 de coin, c'est de denier. J'ai la carte de l'intelligence. J'ai la carte du 9 de bâton. J'ai la carte de la parole. La carte du choix. Et la carte du médical. Alors là, moi, cet ensemble de cartes me font penser plutôt à une notion. Disons que ça nous invite à réfléchir. À réfléchir sur le passé, à réfléchir à des situations similaires qui ont existé dans le temps et à ne pas hésiter à les dénoncer avec la parole. Il y a la parole, le choix. Donc, soit on se décide de se taire, donc on va vers le sombre, soit on décide de parler. Mais on nous invite vraiment à. Parce que la carte ici du 5 de denier nous parle, elle nous parle aussi d'exclusion, hein. Donc, vous voyez, on le voit bien ici avec les personnages qui sont dans le fond, là, et les personnages de devant. Donc, franchement, il faut vraiment. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une invitation à surtout de bien réfléchir, de bien se remémorer et de parler de ce qui s'est passé, bah justement par le passé, dans l'histoire, parce qu'en fait, on est en train aujourd'hui de reproduire exactement les mêmes schémas. Et là, pour moi, cet ensemble est vraiment, vraiment une mise en garde. Une mise en garde parce que, et en plus, est apparu le stéthoscope en dernier parce que faut pas oublier qu'à une certaine période, hein, c'était dans les années 30, où on s'est servi de raisons médicales, de raisons de santé, de raisons sanitaires pour exclure une certaine partie de personnes, dont je ne vais pas citer les noms ici parce qu'on se méfie encore avec la censure, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, moi, je sens vraiment qu'il y a vraiment un gros avertissement ici. Ici. Alors, ici, par contre, on me parle. J'ai militaire patriote. J'ai la carte de la roue de fortune. J'ai la porte fermée. J'ai la lune. J'ai l'homme. J'ai encore la lune. Et j'ai la cigogne. Alors, ici, moi, ça me dit qu'il se passe des choses tout simplement en coulisses. Le fait de la roue de fortune, c'est qu'il y a des choses qui sont en train d'avancer, qui sont en train d'évoluer. Mais par contre, on ne voit rien, on n'entend rien. Tout se fait de façon. Ça se fait derrière la porte, hein, complètement derrière la porte. D'ailleurs, avec la lune, ça nous le dit, hein, ça se fait dans l'ombre. Donc, ici, l'homme. Alors, l'homme, ça peut représenter un homme ou ça peut représenter des hommes. Mais en tout cas, voilà, il y a des hommes qui agissent, puisqu'on retrouve encore une fois la lune. Donc, c'est très insistant sur le côté. En gros, ça voulait dire arrête avec tes questions. Voilà. Et là, simplement, la cigogne, ben, a tendance peut-être à nous dire que voilà, qu'il va y avoir de la nouveauté, du renouveau, quelque chose comme ça. Mais c'est bon, voilà. En gros, c'est il fallait pas trop que je pose de questions à ce niveau-là. Ici, j'ai le. Non, j'en oublie une. Hop, elle est là. J'ai la médecine-chirurgie. Ici, j'ai le cavalier de denier. J'ai la branche cassée. J'ai le cavalier de bâton. J'ai l'examen, j'ai la cigogne et j'ai la justice, on va dire. Procès, justice. Alors ici, moi, ça me parle d'un médecin. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Hein. J'ai analysé un peu comme ça. C'est quelqu'un, c'est un médecin qui apparemment s'est retrouvé face à la justice, mais qui apparemment, normalement, devrait. Parce que vraiment, la branche cassée, on a quand même vraiment essayé de. On a essayé de le briser. On a essayé vraiment de le briser. Mais a priori, il devrait quand même sortir glorieux
de cette épreuve, de ce procès. Voilà. Donc, ouais, moi j'en ai déduit, parce qu'en fait, avec les cavaliers, j'ai déduit qu'on parlait d'une personne et non pas de, et non pas par exemple d'une institution ou quoi. Donc pour moi, il s'agit vraiment d'un médecin qui a été traîné en justice et qui apparemment devrait gagner son procès. Voilà. Après, je ne peux pas vous donner de nom ici. Ensuite, on termine avec la carte lobby réseau maçonnerie, le cavalier de d'épée, le cavalier, pardon, le roi d'épée, l'amitié, le cavalier de coupe, l'évolution, la croix et le papillon. Alors là, ici, ben moi, pour moi, ça me parle clairement. Lobby, c'est déjà le premier mot qui m'est tout de suite sauté aux yeux, on va dire, et à l'esprit. Ici, on me parle vraiment, l'image me parle vraiment de procès. Donc, je pense, je ressens ça comme ça par rapport à l'amitié. Moi, ça me fait plutôt penser à des, comment dire, ben, à ces gros lobbies, hein, qui vont peut-être se retrouver devant la justice. Moi, ça me parle de ça. Et on parle avec d'une évolution. La croix, hein, la croix, ça veut dire, ça nous parle de difficultés, de problèmes, de soucis, de souffrances, de choses comme ça. Donc, et là, on me parle de transformation. J'ai l'impression que ça me dit simplement qu'on a peut-être des gros lobbies, donc, qui vont se retrouver confrontés à la justice, mais par contre cette fois-ci ils vont peut-être pas s'en tirer aussi bien qu'ils s'en tirent d'habitude, ce qui risque de, enfin, qui peut provoquer un changement, effectivement un changement, une transformation, parce qu'on parle pas d'un simple petit changement là. Là on parle carrément d'une transformation, parce que ça va leur apporter vraiment vraiment des problèmes. Donc, mais bon, voilà, ça va être, je pense, amené, parce que là j'ai avec la carte de l'amitié, là du cavalier de coupe et de l'amitié. Moi, je pense que ça va être ça peut-être des avocats qui vont peut-être s'unir, ou des, ou peut-être des, comment dire, des associations, peut-être des associations, donc c'est, voilà, qui vont attaquer peut-être ces lobbies et qui vont les traîner en justice. Donc bon, pour l'instant, c'est vraiment une, d'ailleurs, elle est vraiment apparue à la fin, cette info, parce que je pense que c'est vraiment sur du long terme. Voilà, donc j'ai essayé d'avoir des infos qui pouvaient être rapides, donc qui vont peut-être être plus rapides que d'autres, mais ça, je pense que ça va vraiment prendre du temps. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous, j'espère qu'il y a des choses qui vont vous parler. Moi, notamment la première colonne, ça ne me parle absolument pas, parce que je suis absolument pas branchée sport, machin, enfin je suis pas du tout. Donc voilà, sinon pour le reste, eh bien écoutez, hein. On verra bien ce que ça va donner, on verra bien ce que le temps va vouloir nous montrer. Bon, bah écoutez, moi je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces vers le haut, à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez un petit peu des idées. Si vous avez aussi des idées de tirage ou quoi, bah écoutez, pourquoi pas. Hein, vous me le notez dans les commentaires aussi. J'essaierai de piocher. C'est pas évident des fois dans tous les commentaires de tout voir. C'est pas, je loupe plein de choses. Voilà. Par contre, j'ai pu noter aussi une chose. Je vais tout de suite le souligner rapidement. C'est que parfois j'ai des notifications de commentaires et quand je clique sur le commentaire, il n'apparaît pas dans la liste des commentaires. Donc il est. Alors je me demande si c'est pas YouTube qui, je ne sais pas si d'autres personnes ont déjà été confrontées à ça, mais si YouTube ne ferait pas, comment dire, ne supprimerait pas des commentaires de lui-même. Là, c'est parce que c'est un peu bizarre. J'en ai déjà eu plusieurs comme ça où j'ai voulu cliquer pour voir ce qui était dit et puis et rien à faire, il était pas, le commentaire n'était pas en ligne. Voilà, bah écoutez, si quelqu'un a des infos à me donner à ce niveau, je suis preneuse. Bon, ben je vous souhaite un beau visionnage et moi je vous dis en attendant à une prochaine vidéo. Bye bye!